Gros différent pété matin, bien bonheur, plusieurs personnalités ou militants. Selon l'information qui arrive, chouine nous, mesdames, messieurs, taboulé, yon pompe gasoline dans la zone Inch, surtout dans Inch. Et pompe gasoline, ça, selon l'information que nous gagnons, le taille pompe gasoline, ancien sénateur Ronnie Célestin. Sénateur ça, qui se nègre la départ dans le plateau central, qui pratiquement, bon, paquet de bagailles que m'soit fait, faire confiance, m'sais pas, sentir trop bien. Après nouvelle, ça a fini tomber sous lit. Pas oublier, sénateur Ronnie Célestin, c'est yon nan moun, ces derniers temps, pas trop longtemps là, m'sais te gagné un scandale tout à fait, splendide sous lui même avec ancien sénateur, oui, sénateur Julio Joseph. Côté, non, monsieur, ça a toujours cité dans diverses actes malhonnêtes, tout comme quoi, ça qui a quoi, avec, mesdames, messieurs, drogue dans la coupe au prince. Moi, le quitte, rapide, vite, pour garder ça qui a passé, pour garder ça qui arrive. Et puis, moi-même, m'a bien avec détail, puisque moins prêt pour me capable d'informer. Mais ça m'a dit au départ que monsieur Ronnie Célestin, il y a gros problème. Tout de suite après, il était fini frapper, écraser quelques espaces dans la radio Salgayé, dans la coupe Port-au-Prince, surtout dans Pétionville, qui c'est Radio Modèle FM, qui t'écoutait blessure d'un membre ou un travailleur dans la radio. Et bien, c'est tout pas. Il y a l'autre entreprise qu'elle gagnait, question gaz. Pas oublier, Ronnie Célestin fait partie des familles qui gagnaient plus pompe gasoline à travers le pays d'Haïti. Il fait partie de trois grandes familles ou grandes familles qui ont rentré fait accident dans la coupe de prince. Bonjour, bonsoir pour nous tous qui j'en ai. Est-ce que nous avons non pas m'en fait causer, nous avons fait chambre à la parette, m'a bien informé, m'a dit, m'a bon détail, et m'a saisi tant de, m'a comprendre qui ça bagala y. M'a gagné trop de temps pour m'en faire. M'a quitté regarder la vidéo, m'a venu tout de suite après. Chef, et voilà, m'a bon l'antifé. Je ne vais pas aller là, c'est dans le goût, mais pour mettre un groupe là. Ça, c'est point devant. Vite crasé. Vite pas de sac et vite pas de bureau crasé. Si vous avez ça, c'est parce que vous voulez. Vous rachetez le bar et ça, vous voyez. Le bon est arrivé, bon. Ça dégage bon du fait. Mais il fait quelque chose là quand même parce que moi au chapeau là. Ça s'arrête vite. Tout de suite ça au cas de net. Ça au cas de. C'est un peu proche d'un pot ça, mais il va pas utiliser, il va pas utiliser, parce que c'est lui vraiment. On souhaite garder l'image, mesdames, messieurs, ancien sénateur, building ça, qui c'est un espace dans Inch, qui gagne un restaurant là-dedans, qui gagne également, mesdames, messieurs, mis à part le restaurant, il gagne un shop pour Red par Léa, il gagne un bureau la dernière et surtout pompe gasoline. Donc il la donne et selon source, nos informations que nous gagnons, en date ça tout gagne un petit mini maquette. Donc ancien sénateur Ronnie Célestin, c'est propriétaire espace ça qui pratiquement prend du feu. Il était capable entre 6h du matin, côté que yon foule immense a été débarqué en zone plein dingue, fini dans la cour espace là ou bien dans espace là. Bien que tu aies gagné
trois agents de sécurité. Mais Follat est tellement immense, mais si vous n'êtes pas capable de réagir au plus vite, mesdames, messieurs. Selon Digilance, plusieurs monde dans la zone, vous avez essayé de comment empêcher l'incendie en terrifié. Mais malheureusement, selon témoignage divers monde espace là, il fait qu'on est, c'était trop important pour être capable de faire toucher Rony Celeste comme une année qui pratiquement de côté pays en pile l'argent. Donc, pas oublier, m'te dit nous déjà, donc c'est une monde qui gagne en pile l'argent. Et monsieur gagne l'argent, personne monde pas imaginer qu'elle gagne. Pas oublier que scandale qui était tombé sur monsieur dans caille qu'il était acheté au Canada, dans Laval. Donc, ma fin avec tout détail ça. Mais faut que me dire, bonheur matin, après, Follatine débarque, mettez du feu, gagoutez tout ça, rejoindre sénateur Rony Celeste, mandé, pour mon yon était calme, était beaucoup plus calme. Est-ce que situation, primée pour sénateur, ou dis-moi ce que, par rapport à l'assurance qu'elle gagnait, donc il estimait, mon yon était faire plus toujours, puisque il y a assurance internationale et assurance pour l'État pays d'Haïti des dommages. Donc, je me souviens moi-même, dans un temps, des grands mulaticites qui étaient grands entreprises, il y a des entreprises qui étaient gagotées, la quantité d'argent qu'elles joignent, ils retrouvaient, nous faisons confiance, les griffes construit deux et jusqu'à trois mêmes entreprises, presque de la même sorte. Donc, c'est seulement si malheureux. Les nous frapper, nous pas gagner assez de moyens, pas gagner capacité, manquer intelligence pour permettre qu'ils soient libres. Mais laissez les gens nous frapper, faire confiance, il paraît plus simple et plus facile. Et mon yo beauté, mesdames, messieurs, tout ça qui rejoint dans l'espace là. Et malheureusement, ancien sénateur, le relais secours, le relais pour débarquer, malheureusement, il arrive trop tard. Est-ce que le peuple haïtien, il n'y a pas de vague dans la question gaz là? Est-ce que le pape Jean me suspend? Comment on pompe pour le faire recevoir gaz dans le moment? Pour qui ça, il y a des peurs. Il y a quoi que le cagon d'appuyer qui fait sur n'importe entreprise qui a essayé d'acheter ou de recommander gaz? D'ailleurs, il n'y a pas même qu'on qui va passer puisque divers monsieur armés dans le pays d'Haïti, surtout dans les temps commerciaux, ils ont pratiquement empêché de gagner. Camion qui vient, même employé pas qu'à le travail, voire pour gagner, mesdames, messieurs, camion qui vient pour gaz. De fait, nous ne sommes pas sentis frustrés ou frappés vraiment les gens des situations, ça arrive. En tout cas, mesdames, messieurs, dans le pays d'Haïti, il y a des arrangements qui doivent. Mais ça parle pour tes arrangements, c'est le mécanisme de progression que chaque personnalité a gagné. Par exemple, l'ancien sénateur Rony Celestin, qui s'est nègre, et Mdakadi Plateau Central, Maïsad, c'est pratiquement lui-même, c'est une année qui était entré dans le paquet assez souvent, j'étais fait une campagne Wololoï. Et non, monsieur cité comme plusieurs monde qui comme monde qui en a fait louche assez souvent. Et dernière version de enquête qui t'a mené sous monsieur ça, c'était le 16 février 2021. C'est la nouvelle propriété achetée pour la famille du sénateur Rony Celestin à Laval, au Canada, Laval. Et Kaïsa, mesdames, messieurs, bien Villa, ça a été coûté 4,25 millions de dollars blancs fait américains. Et ce que qui était posé problème, c'est parce que c'est un fonctionnaire de l'État et MGTB le cash sans crédit. Donc c'est pas ton bouquet de l'argent que monsieur était bail, mais c'était un chèque côté que le patron quand Yota dit l'a fait un matin en après-midi monsieur payé Kyle. Donc est-ce que j'ai des nègres yo les yo frappé yo li son crime? Bah qu'on est non mandé parce que non trouver tête maintenant espace analogique qui monde qui parle quoi que mesdames messieurs que tout monde pour n'ap chercher tel groupe monde pour craser business là. D'ailleurs assez souvent me dit ça dans chaque émission que me fait ici moins pas à aucun moment moi pas jamais, mesdames, messieurs,
moi pas jamais pour une fois de ma vie d'accepter un pillage, accepter une scène de pillage, accepter un ensemble de problèmes systématiques et qui capable réduire pays en plus. Pas oublier à chaque fois nous afficher image ça yo, il y a d'autres investisseurs qui peuvent venir investir dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, j'ai parlé à un ami russe donc qui pratiquement gagnait entreprises à plusieurs dans plusieurs côtés dans le pays dans le monde. D'ailleurs, monsieur gagnait un petit port en République dominicaine, monsieur gagnait plage, monsieur gagnait plusieurs entreprises. Dans la conversation que nous avons gagné, et puis nous avons parlé monsieur de Haïti qui a un climat sophistiqué et ceci avec l'État qui est beaucoup moins élevé, et qui est la cause que lui-même n'a pas essayé de faire des investissements dans le pays d'Haïti. Mes frères et soeurs et amis m'ont répondu, malheureusement mon frère, mon ami, c'est pas assez possible, c'est pas assez simple. Jusqu'à Haïti, rien n'est certain. Mais il y aurait quoi que Haïti, personne monde qui gagne 1 million, 2 millions, 2, 5, 6, 7, 14 millions de dollars. Vet, il n'y a pas le prendre la guerre en Haïti, puisque nous, c'est un peuple sensationnel, émotionnel. D'un coup, nous sommes capables de créer ça. D'un coup, nous sommes capables de changer ça. D'un coup, nous sommes capables de montrer que bagay la pas qu'à marcher, j'en lui fait là. Donc, est-ce que c'est un avantage pour nous-mêmes, les Haïtiens? Quand l'international pense que nous pas capable d'avancer, pour qui ça et qui ça nous fait, qui ça nous pas supposé faire. Je pense que en réalité, en Haïti, nous supposé garder un calme, garder en forme. Oui, peut-être Ronny Célestin a bien mérité ça. Oui, peut-être que Ronny Célestin est capable de réparer, de reprendre ni n'importe quoi. Mais est-ce que l'image là? Capable de faire Haïti plaisir. Est-ce que l'image là est capable d'aider chaque Haïtien? Et tranquille. Dites-nous. Pas faire. Ou pas crier, pas faire. Nous avons toujours dit ça. Et de fait, c'est ça dans le privé. Oui, mais pas au cas où je dis ça, parce que jusqu'à présent, madame, monsieur, paye à l'oc. Il y a un qui baille à terre dans des bases. Dans deux niveaux. Okay? Comme là, baille dans deux niveaux. Il y a un qui baille à terre dans des bases, madame. Vous voyez, baille comme. OK. Et on l'autre secteur qui a bail l'argent. Correct. Mais le peuple a un sandwich. Très bien. Elle dit que bon cop qui bat à terre madame monsieur dans les bases, il y a mairie tout qui prend responsabilité. Il y a déblayé quelque côté. Mais déblayé quelque côté madame monsieur, c'est pour combien de temps? C'est peut-être pour 24 heures. C'est peut-être pour 12 heures de temps. Et puis ensuite, on va voir le reste. Et pas jusqu'à présent la banque pour au cas ouvert. Et pas jodi a une banque fait tout employé le vini pour capable faire transaction, pour capable ravitailler. Est-ce que banque va ouvert demain? Non, banque pas capable ouvert demain. Comme BNC fait partie, BNC fait partie de la fédération et APB, association professionnelle des banques. Toute banque fait partie de APB. Oui, de APB. Mais Kounia là. Et... Non, comme c'est banque l'État. BPH, BPH, BNC, BRH, c'est l'État net. Les Abdou, mais comme il fait partie de APB, il est obligé de respecter mon ordre d'association, même si c'est l'État, il n'est pas ouvert. Il n'y a pas qu'à ouvrir. Donc, on garde pour nous deux, mais c'est pas qu'à bouffer. Maintenant, une banque, je dis, elle a fait tout employé, elle vient dans tout pays. Ok? Oui. Une banque vient là? Oui, dans tout pays. Il a fermé, mais fait tout employé, elle vient. Ça a bénéficié de transactions pour évidemment. Parce qu'on n'est pas qu'à Québec. C'est parce que justement, l'équipe de Unibank connaît que la situation POCO est. Il est correct. Il est tourné normal. Et je dis, avec menace ou menace banque, de préférer que la banque la fasse tirer ton. Au lieu que vous l'exposez capital li puis au casel maintenant et gon pas qui casel là je vais ouais le gars nous gagne des formations là maintenant yon conseil avec six membres dont Ariel Henry il y a un petit problème maintenant par contre qui information dans deux là qui ka kembe mais information que moi gagne de bon débat c'est que on conseil de cinq membres qui pral siéger au rang de ministre juste pour qu'elle va participer dans conseil des ministres dans décision pas prendre et puis Ariel Henry a prêté comme premier ministre. Maintenant, est-ce qu'on parle de pouvoir d'un président? Est-ce que son conseil présidentiel, ça me donne que les gens qui sont dans Sikouya, qui sont dans le niveau d'entente, vous avez des informations pour c'est nous d'abri? Métronome. Métronome. Vous avez des gens qui sont dans Montana, dans Pen ou bien l'équipe de Joseph Lambert, vous avez des informations pour nous pour qu'ils allaient. Est-ce que c'est 5 membres qui jouent le rôle de président? Ou bien c'est 6 membres en tout cas qui jouent le rôle de président et premier ministre avec des responsabilités partagées?
ou bien Ariel Henry a prêté comme premier ministre et puis l'autre 5 maintenant il a même y a prêté au rang des ministres. Alors parce que l'information c'est que il va y avoir également et la mise sur pied d'un nouveau gouvernement. Bien mais non, ça c'est clair. Oui. Voilà, non, ça c'est clair. Une fois que ça finit. Ça finit une fois que je une formule, je entente là pour mettre et conseil là. Donc et puis on va le mettre en place. On va caser gouvernement. On va caser gouvernement ça pour mettre un autre gouvernement en place. Maintenant, et puis bientôt au conseil des sages. Conseil des sages. Maintenant, soit question posée à les fondamentaux. Pour qu'on ait, est-ce que et n'a pas le nom bicéphale avec mais, conseil là et conseil de 5 membres qui va jouer le rôle ça et puis au rang des ministres avec Ariel Henry comme premier ministre ou bien est-ce que nous parlons de conseil de 6 membres dont Ariel Henry qui va jouer le rôle et oui monsieur également président. Ou bien bon, est-ce que vous même ne pas jouer wall live entre choisir un premier ministre? Oui, partager responsabilité. Vous partager responsabilité, choisir un premier ministre. Correct. Dans formation gouvernement. Correct. Maintenant, information c'est là lié. Correct. Maintenant, ce qui formule le pas l'utiliser, c'est l'une beaucoup qu'on est. D'accord, que nous. Ouais, place faible là. Regardez le groupe. Ouais, place faible. Attendez, nous n'avons pas tout ça. Attendez, n'avons tout ça. Attendez. L'analyse n'a pas analysé. Maintenant, ok. Ça c'est groupe Lambert là qui besoin ça. En solution avec docteur Henry. Malgré tout ce qu'il y a là, il a cadébrisé et déchoucaille, puis il n'y a pas qu'à vivre malgré tout ce qu'il y a là, en solution. Logo, mais comme vous savez. T'as les photographies. Je ne suis pas d'accord, Lambert. Ce qu'il y a parlé là, c'est blanc non, qui est posé. Non, attendez. Qui voulait imposer. Qui voulait imposer. Correct, qui voulait imposer. Mais blanc voulait imposer. Passer par. Passer par groupe A. Lambert. Attendez. Condamné à peine, Mausa. Oui. Comme c'est le sénateur Lambert qui potel. Oui. FM a parlé de groupe Lambert là. Groupe Lambert. Mais l'autre dit Lambert ou dit tout le reste. Tout le reste. Maintenant, écoutez, c'est là encore, madame, monsieur. Blanc, la voix de groupe. Maintenant, le groupe ça. De Moïse Jean-Charles. Ligue Blanc là-dedans tout. Oui. Ok. Pour Moïse Jean-Charles, son conseil de 7 membres, mais pas de dossier Ariel Henry là-dedans même. Pour Moïse Jean-Charles. Oui. Le 6 membres. Donc, au moins, il était 7 membres. Au moins, il était. Entre 5 à 7. 5. En tout cas, je lui ai parlé ce matin. Il dit mon conseil. Et 5 maximum, non, entre 5 à 7. Maximum. 5 à 7. Ouais. Alors, bon, au moins, lui-même, il était cohérent avec les revendications de l'Elbre Lariel. Pour Moïse Jean-Charles. Oui. Et puis, Moïse Jean-Charles, il était cohérent. Il faut faire une route claire. Okay. Il dit, mais ça va le faire, la mettre au conseil, puis il va faire de route claire pour le dire 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire, s'il dit, lui-même s'il dit sans Ariel Henry, il est cohérent. Correct. Parce que, il était pour la rue pour le dire, il faut qu'Ariel aille, il n'est pas capable encore. Bien. Donc, on a mal à ce que de quelques jours, correct. Et puis il a changé l'idée pour le dire, il a fait avec Ariel. Donc, madame, monsieur, il y a deux groupes là. Bon groupe qui voulait relancer le pays avec Ariel Henry pour Ariel Henry parler pour le rester. Et puis, pour partager les responsabilités, l'autre groupe qui voulait lui-même, c'est voyer aller et puis redéraper le pays sur de nouvelles bases. Et pas oublier qu'on va gagner dans le cas, Loco. Et dans tous les deux cas, Josué et Zahu, blanc là. Ouais. Dans tous les deux cas, mais c'est ça pour nous dire qu'ils sont pas qu'un imbécile nous. Parce que blanc là, et puis blanc c'est nous l'abtan. La passe de notre tente, passe de notre farine, fait nous faire sous-sous. Et puis il est là, malheureusement. Mais comment est-ce pour nous connaître? Dans tous les deux cas, mes amis, madame, monsieur, permettez-moi ici qu'à les jeunes. C'est là encore ma prince appelle la jeune leader. Yo. Leader qui clean, yo, des jeunes leaders. On a aussi un ouest de gâchis ensemble pour nous faire une proposition à pays. De côté ou de l'autre, Esaïe César, pour que ça, que ce soit du côté de l'équipe de Joseph Lambert, comme c'est le même équipe hôtel, l'autre dit Joseph Lambert, Montana Pen, encore en septembre. Pour que ça que gagne tout le monde, un conseil de 6 membres, que ce soit du côté du sénateur Maurice Jean-Charles, je parle de conseil de entre 5 à 7 membres, parce que des deux côtés, que ce soit du côté du sénateur Lambert ou bien que ce soit du côté du sénateur Maurice Jean-Charles, ils estiment que il y a trois acteurs importants dans le pays, donc il faut satisfaire tout le monde. C'est satisfait. Comment mieux, madame, monsieur? Bon, nous défendons comme ça. Il faut satisfaire tout le monde et puis nous ne pouvons pas mettre tête ensemble. Et puis voilà. Nous avons une graine alternative là. Yeah. Oui. Mais ça qui explique, d'après nous-mêmes, madame, monsieur, est-ce que nous comprenons bien, madame, monsieur? La proposition du sénateur Lambert, elle est lourde en pile. Mais l'on parle à Lambert Abdou, il n'y a pas de choix parce qu'il faut qu'il mette tout le monde là-dedans. Il faut tout le monde là-dedans. Et puis qui tout le monde? Ouais, je ne suis pas satisfait. N'est-ce qu'on vient à quoi à gauche? N'est-ce qu'on vient à quoi à droite? Il n'y a pas de représenter aucun monde dans la rue. Hein?
Il pas rien dans mail et puis parce que le te encore, il y a deux trois monde qui parlent dans la radio et puis il est doué sous table là. Donc il faut tenir compte de monde ça. Et ça faut ouais tout monde a écrit deux trois phrases et tête en bas et pour des propositions. Donc le obligé qu'on bout de papier dans mail. Faut qu'on papier dans mail. Parce que les discussions à faire faut qu'il a. Faut qu'il a pour le pas dehors. Comprendre? Donc il a dit que faut que tenir compte de tout monde. Donc dans tenir compte de tout monde là, on peut charger manière. Madame monsieur, il y en a pas vous connaît. Nous j'aime mon mairie marcher bien. Parce que les trois membres. Je ne sais pas quoi alors. Est-ce que nous voulons que mairie marche bien? C'est-à-dire que nous allons tomber dans le même problème là. Que ce soit dans la proposition à gauche là, que ce soit dans la proposition à droite là. Parce que il ne va jamais marcher les grands paquets de monde ensemble qui sont capables de décision. Il ne va jamais marcher. Donc nous allons tomber encore dans une nouvelle situation. Le sénateur Lambert, donc sur la ligne, qu'on est sur. Sénateur Lambert? Oui, pour te parler, oui. Et voilà. Mm-hmm. Donc, nous pouvons penser que je dis là, accord soit accord, et tout accord, est-ce qu'il y a privé vraiment fusionner de façon à ce que nous arrivions à jouer nos solutions à PIA? Mais un fait est clair, c'est que Haïti, dans ce lieu là, nous avons toujours besoin de solutions pour Blanc. C'est Blanc qui a besoin de solutions. Haïti lui-même, pas jamais une solution, en vrai. C'est Blanc hein, qui arrive dans un niveau, venait poser nous un bagage pour le pays. Parce que je dis là, c'est solution haïtienne. Non? Et Blanc, tout le monde a une solution haïtienne. Et c'est nous-mêmes qui parlons des colonnes vertébrales. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il va douer. Il va loin. Allô? Oui, vous pouvez parler. Comment Jacques Mélier? Bonjour Josué, bonjour Loco, bonjour Pierre Latin, bonjour toute l'équipe Radio Télé Éclair, émission Matin Débat. Et Jacques Mélier qui est levé en bandition. Là, nous sommes capables de dire que c'est une foule enragée qui prend la rue à là et qui déjà fait quelques parcours dans cette ville-là. Mais déjà, tu as une équipe qui est montée dans la zone meilleure. Ça veut dire que c'est plusieurs groupes manifestants. Mm-hmm. Allô, Yves. Oui, allô. Oui. Allô. Oui, vous mettez parler, oui, Badouin. Oui, c'est une foule chargée qui est dans la rue. Il faut que nous rappelons que le bilan manifestation hier, là, et la police est arrivée à arrêter environ 5 personnes. Okay. Et puis, il y a un bureau EDA Jacques Mella, bureau administratif, là, qui vraiment saccagé, côté que je suis censé piller le bureau, ça, craser barrière, gagner un groupe électrogène qui est censé brûler. Je mettais 10 feux dans l'espace, ça, et j'ai gagné une tentative tout dans une maquette, côté que j'ai gagné un pile de qui tiré, mais la police était interposée pour empêcher que je suis arrivé à entrer dans la maquette là. Mais hier, là, vraiment, Jacques Mel était vraiment sous tension, en pile gaz lacrymogène. Il y a un sac qui est que la population est plein en pile. C'est la cause. Gaz lacrymogène, c'est dans des zones résidentielles que la police fait un usage vraiment excessif de gaz lacrymogène en façon pour empêcher, eh bien, foule là, les mêmes qui étaient vraiment fin de border pour faire tentative pour vraiment craser hier, eh bien, EDH là, bureau administratif EDH dans Jacques Mel là. Donc, finalement, yo il est écrasé barrière la rentrée vraiment saccagé bureau et matin là c'est encore une fois yo foule dans la rue yo gagne manchette dans main yo festival yo gagne un bâton dans main yo qui dans la rue donc qui déjà commencé sillonner plusieurs rues dans Jacques Mel avec allô. Oui, faut-il déplacer côté hier, communication difficile. Est-ce que la police sur les lieux accompagne et manifestant yo, Yvadouin? Actuellement là, nous pas remarqué la police, que les manifestants ont été devant le commissariat, donc finalement viré. Mais la police lui-même est censé devant. Là, nous pas comprendre la police devant, mais la police tout lui-même qui dans zone aviation, la police matin, nous avons remarqué la police qui était par contre, ils ont quitté campé dans la zone aviation. Parce que, comme je disais hier, malgré les manifestants, ils ont été rachés
barrière et un aéroport là, là vraiment la police même qui était positionnée. Le matin là, nous t'ai quitté ma propre la police même, nous était dans zone aviation, hein, mais côté nous y des manifestations, hein, nous pouvons remarquer machine la police. Okay. Mais c'est une foule vraiment en liesse, une foule compacte qui a monté avenue Barène qui a et avec un peu de slogan qui a pris direction et semble c'est Cécile qui a monté. Mais faut que nous disions. Qui principale revendication, Yves? Pardon? Principale revendication, yo. Revendication, c'est demander à Ariel Lagetiel, c'est demander pour que la vie chère à l'IBC et c'est vraiment. Allô? Allô? Oui, t'es gonti coupure. C'est mandé pour que pour gaz Ariel tourne sous décision qui fait prendre pour monter prix gaz là. Et puis pour être capable de joindre gaz. Mais il faut qu'on dit par rapport avec ça qui passe dans eh ben, bureau derrière Jacques Mel là. Nous pouvons comprendre que le Jacques Mel lui-même est capable de bien courant dans la mesure où le bureau administratif est totalement saccagé. Donc le temps pour l'État central. Si le pays a d'avenir ranger, il reprendre l'activité normale pour être capable de faire des démarches pour que permettre que le bureau s'allie fonctionner, ça prend plus de temps. Mais là, c'est une foule qui déjà prend direction avenue Barène qui a pour monter zone Saint-Cyr. Nous-mêmes nous allons suivre. Nous, j'aime te dire, et faut qu'on fasse remarquer, toute ville la barricade. Okay. Barricade, c'est quelques motos qui prennent chance de circuler, mais pays Jacmel totalement lock. Ok, ok. Circulation pour mon sorti, que ce soit à Jacmel à l'Port-au-Prince, que ce soit à sorti dans la ville Jacmel pour aller à Jacmel Marigo, c'est complètement lock. C'est quelques motocyclettes qui fait tentative passer et dans une route découpée pour arriver circuler. Mais c'est un Jacmel qui levé lock. Et depuis hier soir, ou imaginons, 8 heures du soir, toute la rue, hein, c'est des jeunes garçons qui chita, soit qui a joué boule, soit qui a boiti gogyo, joué musique. Donc la rue était déjà vide et matin, hein, c'est même gens. Côté que Jacmel lock, chaque base où passe, ou de nek, des groupes nek qui chita, qui a fait de musique, qui a pris plaisir. Eh bien, merci un peu, Livadoué, restez sous place, si il y a une évolution, afin de connaître. D'accord, Josué, au moment opportun, si il y a une évolution, on peut rester là pour nous capables d'informer. Voilà. Eh bien, merci un peu. Bon. Et moi, c'est important, et émission matin débat que nous avons fait aujourd'hui également, dans les jours à venir. Et moi, c'est que nous-mêmes, capteurs de l'émission matin débat, faut nous entendre la tête frette. Et nous prenons responsabilité dans l'analyse que nous faisons ici dans l'émission matin débat. En passant, il faut que je dise que Guyen et Brian Nichols, qui est en Haïti, donc c'est le secrétaire d'État aux affaires hémisphériques du département d'État. Brian Nichols, qui est en Haïti, dans les prochains jours, pour être capable de apprendre de première main détails sur la crise sociale, économique et politique que le pays a traversé là. Et puis, regarder s'il est capable d'avancer également, arriver à un accord avec les forces vives de ce pays. La sortie du sénateur Joseph Lambert, faut que nous clair son sortie que le sénateur a fait. Suite à l'interview que le débat ici a dans l'émission Matin Débat. Dans l'émission Matin Débat, il te dit que si acteur pas venu en entente entre eux, si pas un consensus qui joue avec le gouvernement, les mêmes comme entité politique, comme président du Sénat, le Sénat doit prendre une décision. Et la sortie du sénateur Lambert, c'était pour annoncer la décision que le peuple prend de la 48 heures. Donc, il n'est pas venu avec une proposition réelle, bien entendu. Il était essayé quand même et approcher question parce qu'il parlait de yon au conseil de transition, qui a bien droit toutes les, avec les fonctions présidentielles. On conseille, on au conseil de transition avec toutes les fonctions présidentielles. Oh. Toutes avec les fonctions. Toutes les fonctions présidentielles. Les avantages et privilèges. Et privilèges. Maintenant, il y a un tabac de questions. Et ça, c'est moi-même. Ça, c'est au Mac Pam que je me fais. Je me dis que l'EMGAD des propositions de sénateur Lambert, il t'a parlé de haut conseil de transition. Moi-même, j'estime que il t'a parlé de prendre position contre Ariel Henry pour te dire Ariel Henry, il faut qu'il démissionne. Telle lettre. Ah, c'est moi-même. Son analyse que je me fais. Les gars, ne pas ça.
peut-être dans l'esprit du texte. Mais moi-même, nous connaissons, c'est comme ça que je comprends, et qu'il y a l'autre monde tout qui comprend ni comme ça. Bon, en tout cas. Et moi, pratiquement, donc, salut tous les fanatiques sénateurs Joseph Lambert, qui ont même compris que son autre bagaille que me dit non. Son analyse que me fait. Maintenant, qui ça bagaille, madame, monsieur? Et proposition qu'on a qui sous table, là, que monsieur Arnaud Descartes, la fait promotion là, la fait pour le premier ministre Dr. Henry. Qui presque aller dans la même lignée que peut-être que ce soit Jean que sénateur Maurice Jean-Charles annonce là, que ce soit Jean sénateur Lambert annonce là, que ce soit Maurice Jean-Charles, sénateur Maurice Jean-Charles annonce, il parlait de conseil, que ce soit sénateur Lambert, il parlait de conseil. Mais c'est trois bagages différents. Maurice Jean-Charles gagne façon lui-même le bagaille avec qui parle. Le sénateur Joseph Lambert, lui-même avec Montana, l'équipe de Montana, l'équipe de Penn, SDP, accord 11 septembre, accord unitaire, Kadoa, force louverturienne, et Rassanté, PHTK et Alliés, avec un paquet de l'autre accord encore. Il y a même quoi que, et c'est ça qui est important pour me mettre précision sur le matin. Ok? Pour le sénateur Joseph Lambert et tout le monde qui avait lieu, savoir accord Montana, accord Penn, accord 11 septembre, accord unitaire, Kadoa, force louverturienne, Rassanté, PHTK et Alliés avec un pilote accord encore. Yo croit que c'est yo conseil, un haut conseil de transition avec les fonctions présidentielles qu'a bon pour pays avec un autre premier ministre. Alors, ça me dit déjà possibilité. Oui, mais ça c'est la possibilité, ça c'est la position du sénateur Joseph Lambert. Elle dit que, bien entendu, proposition nous qui sur les réseaux sociaux, que peut-être Arnaud Descartes, l'équipe de la primaire, a fait promotion là, il semblait effectivement, avec par sénateur Joseph Lambert, bien entendu, et allié, il me dit, dans la logique de conseil là, bien entendu, ce n'est pas la même proposition du tout, parce que l'organe des textes, des textes et propositions, et sénateur Lambert là, avec Kadoa, Montana, il n'y a pas en fait texte final là, mais texte ça, il y a un feuille de route claire. Qui a pris un pays en côté, qui a fini avec lui, donc pratiquement en côté. Mais durée à ta semble, c'est 18 mois. Mais oui, durée à ces 18 mois, mais il n'y a pas tant d'entre eux pour qu'on ait sous durée à comme étant que le capable. Mais conseil de transition, conseil de transition, ok, sénateur Lambert, il n'y a pas dans un dossier Ariel Henry comme premier ministre. Maintenant, hier, Sam Dab dit, c'est selon compréhension, pam. Alors, les fanatiques de sénateur Lambert, peut-être que tu as mal compris, ils sont analystes comme de fait. Et de fait, effectivement, dans la sortie du sénateur Joseph Lambert, on n'a pas que le pas de composition. Il seulement te dit que, il t'a décrit peuple là, et que, comme il te dit, si pas de gagner en tant qu'il devient entre les entités politiques, les acteurs politiques de ce pays, le Sénat n'a pas venu donc, avec une proposition. Et de fait, c'est de là qu'il parlait de au conseil donc, de transition, il parlait de tout l'autre, ça qui est capable de faire dans quatre démarches. Là. Maintenant, la proposition qui est donc sur la table pour le sénateur Joseph Lambert, la proposition qui est donc sur la table avec Kadoa, avec Montana, accord contre septembre, donc accord et unitaire, force louverturienne, c'est un haut conseil de transition avec les fonctions présidentielles et un autre premier ministre qui parle Dr. Henry. Ça nous plaît. Moi, ça très représentatif. Oui, là, très ensemble, représentatif, très bien. Ensemble de secteurs qui composent les propositions, ça, il est très représentatif. Très représentatif. On allait. Et je ne vais pas mentir, PHTK la donne, tout pour la donne, SDP la donne, tout la donne. Ok, on allait. Et depuis ta belle de Colline, comment est-ce situé? Dans le débat, ça. Loco, je salue Josué, je salue Esaü, m'a fait saluer collègue Pierre Martin Tatout. Bon, on connaît, ou même à la fois comme ancien candidat à la présidence, homme politique, un journaliste senior, journaliste vedette, ou toujours bien des informations de première main. Merci. Et il est vrai que Kadoa partie prenante dans une série de discussions, mais nous pas jamais anticipé. Puisque à travers différents acteurs,
gagnant qui a marché à pas de tortue, gagnant qui voulait pour aller rapide. Bien évidemment, dans conjoncture ça, dans momentum ça, un peuple qui a souffri, un peuple qui mobilisé, moi crois c'est responsabilité acteur yo pour yo éviter. En tout cas, mettez ego de côté pour que le plus rapidement possible, nous joignons une sortie de crise, tout au moins dans situation catastrophique. Ça. Bien évidemment, Kadoa li participer et même prend connaissance de documents de propositions de sortie de crise. Ça. Évidemment, nous avons gagner en position arrêtée dans la mesure où gagner de l'autre entité pas des moindres qui dans discussion yo qui yo même consulté d'après ça aussi l'autre groupe qui adhérait ensemble avec yo moi capable tout simplement dans niveau cadre nous favorable avec toute solution inclusive pour permettre nous soutenir dans situation de détresse, situation qui provoquait soulèvement populaire ça à travers le pays. Eh bien, donc là, nous, est-ce que nous déjà très loin? Et moi, quoi, gagner en pile avancée qui fait Louko, en pile avancée fait gagner. De acteurs qui il y a de cela une à deux semaines trois semaines m'avait dit était diamétralement opposé mais c'est toujours une difficulté de rapprochement nous constater dans niveau Kadoa gagner des acteurs en tout cas importants hein dans politique là, dans niveau société civile, dans niveau secteur, nous relais secteur patronal, secteur économique là, qui en tout cas d'accord, accepter et participer dans discussion yo. Maintenant, nous croyons et nous dit il y a lieu, il y a nécessité pour que yo avance rapide tout en tenant compte tout de département de région yo puisque j'ai constaté le louco soulèvement populaire ça en tout cas mobilisation générale ça à travers pays pas gagné on met pas gagné on chef à proprement parler c'est pays qui réveillait pour que les dit non à l'inacceptable pour que les dit non avec mauvaise gouvernance, pour que les dînons tout avec une forme d'ingérence qui est inacceptable. Nous toujours dit nous-mêmes, nous croyons dans les relations internationales, nous croyons et toujours dit tout louco, Haïti pas qu'à vivre en autarcie, mais ce n'est pas le fait que nous pas qu'à vivre en autarcie pour que nous acceptions indéfiniment que des forces étrangères, que des pays étrangers, que des institutions étrangères doivent imposer une directive qui, en réalité, au lieu pour contribuer à relever pays ça, au lieu pour contribuer à directive ça, yo, a fait payer un pays qui est stable politiquement, mais c'est des directives qui contribuaient justement à faire de Haïti un laboratoire d'instabilité. Donc, il est temps, il est grand temps que Akteyo, à tous les niveaux, ben, pour que nous montrer capacité pour un dépassement de soi, pour que nous joignons un accord inclusif. Donc voilà, nous avancer, très avancés, mais nous un peu prudents dans le niveau Kadoa et que nous-mêmes, ça nous espérait, c'est pas avancé et très avancé, hein, c'est la décision finale, Louko. Merci en pile, député Abel de Coligny. Bonne chance et bon travail. Merci en pile. Alors José, une question pour vous. Alors, je vais mettre des positions et Abel de Coligny sous sortie et secrétaire et général. Là, parce que généralement, Abel toujours gagne une position par rapport avec les gens des déclarations. Ça, au fait, comment ouais ou même comment qui position sous et déclaration sortie et Gutiérrez là. Ah ben écoutez, moi effleuré, mais merci parce que vous posez une question directe là. Que ce soit
déclaration secrétaire général l'ONU diplomate Antonio Guterres, que ce soit déclaration de fonctionnaires d'un niveau présidence américaine monsieur Gonzalez, ben écoutez, c'est de prise de position qui condamnable, c'est de prise de position qui représentée on insulte avec peuple haïtien. On insulte dans la mesure où que ce soit M. Guterres, que ce soit ce fonctionnaire de la Maison-Blanche, il a montré soit il a coupé de réalité pays d'Haïti, il n'y a pas contre ça qui a passé dans le pays d'Haïti, soit tout simplement il a laissé, il a induit en erreur par des fonctionnaires et corrompus, puisque nous ne sommes pas capables négliger que nous dit gagner des fonctionnaires internationaux à travers les missions diplomatiques, à travers les institutions internationales, qui c'est de corrompus de monde qui pratiquement servit de présentio dans un pays, surtout dans un pays comme le nôtre. Côté gouvernant nous, il n'y a pas réglé un lien, mais il a toujours utilisé de fortes sommes, des centaines de millions pour que yo paye moun fait lobby pour yo, pour que yo capable d'arrêter au pouvoir lors même que yo pas réglé rien. Donc voilà, de deux choses l'une, c'est soit fonctionnaire sa yo, en tout cas diplomate sa yo, coupé totalement de réalité pays d'Haïti, ou par contre ça qui passe en Haïti, ou bien c'est le moun qui induit en erreur. Et si je puis me permettre en troisième considération, soit c'est le moun qui velléité raciste envers un peuple haïtien. Parce que nous dit il est anormal pour que il a cherché à associer un mouvement revendicatif de un peuple haïtien qui passe centaines de milliers à travers un pays à manifester contre la vie chère, contre marche noire en Gaza, contre mauvaise gouvernance, pour tenter d'associer yo avec mouvement de bandits notoires que yo même yo connaît, que d'ailleurs yo fait de rapport sur yo, que d'abord yo félicite à un certain moment de la durée, que tu as même contribué à fédérer, en tout cas, Fédération Gangsawa. Nous disons qu'on insulte même vis-à-vis de peuple haïtien. Nous disons insulte puisque nous constatons, aussi paradoxal que cela puisse paraître, gagner en deux poids et deux mesures lorsque les Nations Unies, lorsque diplomate pays Sayo a réagi vis-à-vis de manifestations qu'a faites dans deux pays. Autant que nous avons gagné de bienveillance lorsque c'est Ukrainien qui a manifesté, c'est de Georgien qui a manifesté, mais c'est autant qu'ils ont fait preuve d'insolence et de mépris lorsque c'est haïtiens qui eux-mêmes a manifesté pour réclamer en l'autre pays, pour réclamer changement, pour réclamer bonne gouvernance. Donc voilà, nous-mêmes, nous croyons que c'est inacceptable, surtout le secrétaire général des Nations Unies qui t'a doué un élément fédérateur qui n'a tête une institution mondiale qui l'a pour promouvoir la paix, entre autres, et aider à la stabilité. Puisque la réalité, pour me finir, Louko Josué, c'est quand même triste lorsque Antonio Guterres gagnait une telle déclaration pour tenter associer mouvement revendicatif peuple haïtien avec des bandits notoires, alors que qui ça peuple haïtien a demandé, peuple haïtien dit faut gagner de politique sociale, faut que justement l'État pays gouvernant dans le pays d'Haïti, il n'a pas pris toutes les mesures qu'il a prises, c'est une mesure qui frappe les gens qui baillent. Antonio Guterres doit-il le signaler, c'est un Portugais, il était Premier ministre Portugal avant Lévin dans les fonctions de secrétaire général des Nations Unies, deuxième mandat. Mais écoutez, Portugal, on est, c'est une ancienne puissance coloniale, mais avec le temps, Lévin le petit poussait de l'Union européenne. Eh bien, écoutez, à un certain moment de la durée, lorsque ils ont accepté le Portugal dans l'Union européenne,
pays a tellement gain des difficultés économiques et sociales, il n'est pas capable de répondre avec toutes les exigences de la Commission de l'Union européenne. Jusqu'à un moment, n'a pas les là à Louko. Eh ben, l'on prend question prix gaz qui augmente, prix produit première nécessité qui augmente. Eh ben, pendant que l'Union européenne, lui-même à Bruxelles, il a fixé de règles pour l'ensemble des pays membres respectés, eh ben, pour lui-même, il y a une exception pour lui. Il y a une dérogation parce qu'il n'y a pas de même retournement économique avec des pays comme la France, comme l'Allemagne et d'autres. Donc pourquoi quelqu'un comme Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui c'est un Portugais, voilà que lui reconnaît pays, pas une capacité économique assez dans le cadre de cette crise internationale, il a accepté plafonnement direct conseil de prix au Portugal, lorsque en Haïti, c'est